Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour ses iPhones, mais pas que. On va s'intéresser ici à iOS 16.6. Une nouvelle mise à jour, alors pas de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour, par contre, une mise à jour de sécurité uniquement. Concernant la taille de cette mise à jour, alors ça dépendra de votre téléphone, ça dépendra de votre version précédente d'iOS. Parfois vous allez avoir 200 mégas, parfois un petit peu plus. C'est le cas ici. Alors, même s'il n'y a pas de nouveautés avec cette nouvelle version, je vous conseille quand même de faire cette mise à jour, notamment pour la correction de cette faille, la CVE 2023-410-64, débusquée par une université de Toronto et qui concerne la NSO, cette société israélienne. Qu'on connaît bien notamment pour son logiciel Pegasus. Alors cette faille concerne non seulement les iPhones, mais également les iPads, les Apple Watch et également macOS et tout ça, même si vous avez la dernière version de ces systèmes. Alors comment ça se passait Pareil message, vous pouviez recevoir une image et sans même cliquer dessus, du code arbitraire pouvait être exécuté et là donc corrompre vos données personnelles. Et donc vous l'avez compris, avec iOS 16.6.1, la faille en tout cas est corrigée. Une seconde faille est également corrigée avec iOS 16.6.1, ça concerne l'application portefeuille, euh, on pouvait recevoir une pièce jointe et là aussi du code arbitraire pouvait être exécuté. Euh, alors donc c'est corrigé et chose assez étonnante, je crois que c'est la première fois que je vois ça, c'est que euh, bah, c'est crédité euh, bah, directement Apple. Euh, donc c'est Apple qui aurait découvert cette faille, donc c'est corrigé avec cette nouvelle version. Donc vous l'avez compris, pas de nouvelles fonctionnalités avec cette nouvelle version, sans doute un petit peu hein, dès qu'on est dans le troisième chiffre à iOS 16.6.1 cette fois-ci. Donc on sait que c'est une mise à jour de sécurité ou des, des correctifs. Euh, donc là c'est le cas, mais en tout cas je vous conseille quand même de faire cette mise à jour. Euh, le problème est suffisamment important pour éviter donc des problèmes. Donc n'hésitez pas, attendez pas à iOS 17. Et justement à propos d'ios 17 et oui les transitions hein, c'est un métier euh, alors sachez que la version release candidate d'ios 17 n'est toujours pas disponible j'imagine que la version euh, donc release candidate sera disponible au moment de wonderlust donc autour du, du 12 peut-être euh, le 13 euh, et donc la version finale suivra quelques jours après sans doute pour le 18 septembre et comme tous les ans je vous ferai une vidéo récapitulative donc de toutes euh, les, les, les nouveautés d'ios 17 en tout cas les plus importantes euh, en juin donc on a Eu, comme tous les ans également, après la WWDC, une première mise à jour, un premier décryptage en tout cas de, de, de toutes les nouveautés. Et puis tout l'été, on, on fait toutes les bêtas euh, et donc la version complète avec tout le recul évidemment. Euh, depuis trois mois qu'on teste ça, dans tous les cas, je vous invite vraiment à faire cette mise à jour de sécurité d'iOS 16.6.1, même si vous pensez qu'iOS 17 arrive prochainement. Quand même, c'est peut-être un peu plus raisonnable de, de faire cette mise à jour assez rapidement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très bientôt.